Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Scoubon. En dessous de cette vidéo, surtout, abonnez, cliquez sur abonnez-vous, activez la cloche de manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons, c'est facile. Vous pouvez faire des dons via Western Union et via PayPal. Ce sont deux moyens qui sont disponibles par lesquels vous pouvez tout simplement faire des dons. Et si vous avez besoin de plus d'informations, en partie description de cette vidéo, surtout toutes les informations qu'il vous faut pour faire vos dons. Merci les amis pour votre soutien sur Union Scoubon. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. De quoi il s'agit? Il s'agit de sa relation avec Dieu. Vous savez que dans la vie d'un chrétien, à un moment donné, il doit faire un jeûne, il doit jeûner. C'est vrai, il doit prier, mais il doit également jeûner. Parce que pour pouvoir chasser certains démons, pour pouvoir renverser certaines difficultés dans la vie, nous devons jeûner et prier en même temps. De la manière dont le chrétien fait ça, là, il y a les satanistes aussi qui font ça. Et quand les satanistes, eux, ils font ça, là, ils le font également pour augmenter quoi? Leur pouvoir, pour augmenter leur force. Mais le problème ici, c'est que quand les chrétiens décident de jeûner, là, ils ne jeûnent pas sérieusement. Même quand ils sont dans le jeûne, là, eux pensent à la nourriture. Tandis que les satanistes, là, quand eux jeûnent sérieusement. Et certains même vont où? Dans les cimetières pour jeûner. Ils jeûnent dans les cimetières. Ils vont dans les endroits. Il ne pense même pas à la nourriture. Ça veut dire que si on veut mettre un sataniste qui jeûne et un chrétien aujourd'hui, le sataniste va gagner. C'est mauvais. Ça veut dire que nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller et augmenter notre force. Au travers de quoi? Le jeûne et la prière. Tu vois pas que l'homme de Dieu va dire, franchement, Dieu me met à cœur de vous dire qu'on décrète un moment de jeûne. Les gens de l'église vont commencer à dire, il y a une femme au quartier là-bas qui est venue là, elle fait de bons poulets comme ça, et puis l'homme de Dieu n'est pas de jeûne en ce moment-là. Tu as mangé, c'est bien. Mais le jeûne, c'est important. Par le jeûne, Dieu va t'aider. Et même s'il accepte de faire le jeûne, l'homme de Dieu va dire, par exemple, on fait le jeûne, il va dire, j'ai compris, la nuit. Pendant que tout le monde dort là, tu vois pas le chrétien, hein? Ou bien même pas la nuit, chez lui à la maison, pendant qu'il est seul là, il va se mettre à manger bien. Et il va venir à l'église maintenant, devant tout le monde pour dire, il va faire comme s'il a jeûné. Hein? Et il va prier avec, en même temps comme tout le monde, comme s'il a jeûné. Il va faire semblant même que, comme si il a fait même. Ah mon Dieu, on va faire vite, on va prier parce que la dalle c'est pas bien, la faim là. Oh mes frères et soeurs. Oh, mes frères et sœurs, chrétiens paresseux. Ça, on appelle les chrétiens paresseux. Quand tu décides de jeûner, là, jeûne sérieusement. Parce que le sataniste, quand il jeûne sérieusement. Hein. Voici l'histoire à l'appui, vous allez comprendre. Un jour, un féticheur a décidé de tuer un homme de Dieu. Parce que cet homme de Dieu là, l'empêche de travailler. Et ce féticheur est allé dans un cimetière où il s'est mis en jeûne, plus d'une semaine de jeûne. Et tellement il était sérieux de ce jeûne-là, qu'il est sorti de ce jeûne-là, son visage n'était plus le même. Transfiguration. Quand vous regardez son visage, vous sentez que ce n'est pas le même visage, ce n'est plus le même visage. Tellement il a eu une transformation là-bas. Tout ça pour venir contre qui? Un vrai homme de Dieu. Et quand il est arrivé pour combattre l'homme de Dieu là, l'homme de Dieu même n'était même pas en jeûne. Il était tout simplement en genou en train de prier. Et quand l'homme de Dieu a fini de prier, il a dit Amen. Le féticheur qui s'apprêtait à l'attaquer, dès que l'homme de Dieu a fini de prier là, une bombe qui était dans le monde des ténèbres est tombée là-bas pour détruire le pouvoir de ce sataniste. Immédiatement, bien que ce sataniste ait été sérieux dans son jeûne, et qu'il a été transfiguré, il a eu un certain pouvoir ou encore il a eu d'autres démons. Ça veut dire que toi qui es chrétien, qui prie, même qui te mets en genou, mets ton genou en général, mets ton genou pour prier, c'est important. Toi qui es chrétien, qui es vrai chrétien qui prie, là, si tu ajoutes à cela le jeûne, là, ça veut dire aussi que toi ta puissance va se lever. Parce qu'il y a un pouvoir dans le jeûne. Une puissance dans le jeûne. Ne soyez pas des chrétiens négligents. Des chrétiens qui négligent la prière. Les chrétiens paresseux qui ne veulent même pas jeûner. Ah! Quand ils jeûnent, ils pensent à mettre toi au vrai repas.
Tu dois tout faire pour lutter contre ça. Il est très important de jeûner. Un vrai chrétien qui ne jeûne pas, c'est dangereux. Tu dois parvenir à un moment où tu vas observer un moment de jeûne dans la journée ou même dans la semaine. Un moment où tu vas prier sérieusement. Surtout de ces derniers temps-là, il est important de prier. Il est important de prier, de jeûner. De faire toutes ces choses-là pour le Seigneur. Vous avez besoin de ça pour votre vie aussi. Parce que le diable et ses agents-là, ils vous combattent. Nous devons vous dire que chaque jour que Dieu fait là, il y a au moins une personne qui prépare des mauvais coups contre vous. Que vous l'ayez fait quelque chose ou pas, que vous le connaissiez ou pas, lui, il prépare des mauvais coups contre vous parce qu'il est sorcier. Et ces gens-là, ils n'aiment pas voir la paix quelque part. Dès qu'il y a la paix quelque part, ils apparaissent en même temps. Pour semer là l'atmosphère de non-paix. Mais vous, comment vous allez faire pour le combattre? Vous devez être armé. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit, qu'il y a certains démons qui fuient au travers de deux choses. La combinaison entre le jeûne et la prière. Ça veut dire que quand vous jeûnez, jeûnez sérieusement. Quand l'Église, l'homme de Dieu dit, il y a un jeûne là, ne dit pas, il y a un vrai repas aussi. Ou bien il y a une vraie sauce qui m'attend à la maison. Quand l'homme de Dieu dit qu'il y a un jeûne, il décrète un moment de jeûne. C'est Dieu lui-même qui parle. Tu penses que l'homme de Dieu, là, lui, il n'a pas envie de manger du poulet? Tu penses que l'homme de Dieu, là, lui, il n'aime pas les vrais repas comme toi? Mais comme Dieu, quand Dieu a dit de faire un truc, il faut le faire. Parce que si le sorcier s'apprête à t'attaquer, là, Dieu lui va te donner des signes, il va te dire, mon frère, mon fils, mets-toi un moment de jeûne. Maintenant, toi, comme tu ne vois pas ça, t'as dit, ah, j'ai faim, oh, je dois manger, oh, oh, le vrai repas. Alors que Dieu te dit, Dieu te le dit parce qu'il y a un sorcier qui s'apprête à t'attaquer. Le sorcier, là, lui-même, là, il est en train de jeûner même déjà. Lui, depuis le mois de ténèbres, il est en train de jeûner pour que toi, tu tombes. Mais toi, tu dois te mettre également en jeûne pour que tous ces démons qui le possèdent, là, puissent également tomber. Mes frères et sœurs, ces choses sont réelles. Il faut que nous vous en parlons. Tout ce que vous devez retenir ici, c'est que vous devez vous mettre en jeûne. Observez un moment de jeûne et de prière. C'est uniquement par ces deux choses-là qu'on peut chasser certains démons ou encore renverser certaines situations de notre vie. Si vous avez des sorciers chez vous, là, priez beaucoup, hein! Et priez beaucoup. Priez vraiment beaucoup. Et vous devez savoir également que quand vous finissez de prier, là, le diable, il arrive. Il vient. Quand je finis de jeûner, là, le diable aussi vient. Ce qui s'est passé dans le monde sur le Seigneur Jésus-Christ? On nous dit que le Seigneur Jésus-Christ, quand il a fini de faire 40 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, Satan est venu. C'est là même que le vrai combat a commencé. Quand on finit de faire le jeûne, là, on est fatigué, non? C'est-à-dire que le diable vient quand vous êtes faible. C'est-à-dire que le diable peut venir au moment où vous avez fini de jeûner et que vous êtes devenu faible. C'est là qu'il peut venir. Donc, soyez vigilants. Soyez sur vos gardes, même après le jeûne. Après le jeûne, soyez sur vos gardes. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. C'est Jésus-Christ qui va vous sauver. C'est lui seul qui peut vous aider, car lui seul est le Sauveur et le Seigneur du monde entier. Je vous le dis. Je vous le dis la vérité. Merci à tous ceux qui feront des dons. Merci à tous ceux qui vont s'abonner. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui paraîtra le jeudi prochain, où vous aurez toutes les informations sur le jeûne là-dedans. Soyez prêts. Soyez prêts! Let's go! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. On se revoit.